Toujours est-il que si vous scannez le code, vous allez tomber sur les mêmes informations. Et là, maintenant, je vais essayer de télécharger. Voilà le fichier téléchargé ici. Je vais afficher. Ok, c'est bon. Vous pouvez aussi scanner. C'est la même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer des codes QR simples et dynamiques pour vos activités professionnelles, et cela sans aucune compétence informatique. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors abonnez-vous pour pouvoir voir toutes les astuces passées et aussi celles à venir. Je suis Light et je vous retrouve aujourd'hui encore avec le même plaisir. Pour générer les codes QR, rendez-vous sur le site qrcode-tiger.com, c'est-à-dire www.qrcode-tiger.com. Voici un peu comment le site se présente. Dès que vous tombez sur le site, c'est paramétré par défaut en anglais. Mais nous, on va changer la langue. On va mettre la langue en français. Vous pouvez faire la même chose maintenant. Si votre langue de préférence est en anglais, vous pouvez également laisser en anglais. Ça ne cause pas de problème. Aussi, pour profiter pleinement de l'exclusivité de presque toutes les fonctionnalités, il faut d'abord créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Vous créez ici. Ils vont vous demander juste de mettre votre adresse mail et vous créez votre compte. Et une fois que vous créez votre compte, vous avez maintenant l'exclusivité. Il faut noter que nous avons deux types de codes QR. Nous avons les codes QR dynamiques et les codes QR statiques. La différence, c'est que les codes QR statiques, une fois générés, vous ne pouvez plus modifier l'information ou les informations que vous avez mises derrière ces codes. À la différence des codes QR dynamiques, vous pouvez générer le code et après changer les informations qui se trouvent derrière le code QR et l'information sera mise à jour automatiquement. C'est-à-dire, des jours après, si vous voulez modifier par exemple une phrase que vous avez mise derrière un code QR dynamique, vous pouvez modifier la phrase, mais le code QR généré ne va pas changer. Ou du moins, vous n'aurez pas besoin de changer ce code. Voilà un peu la différence entre ces deux codes. Donc, nous allons commencer maintenant notre test proprement dit. Voici un peu une panoplie de choses que vous voulez faire, que vous pouvez faire. Vous pouvez générer les codes QR pour votre chaîne YouTube, pour jouer de la musique, pour aller sur Facebook. Donc, pour nous, on va essayer YouTube pour voir. Donc, on va taper d'abord le site de YouTube, qui est le www.youtube.com. Attention, attendez que je règle ça. Plutôt YouTube. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Parce que j'avais mis T au lieu de Y, excusez-moi. Donc, on poursuit. www.youtube.com/nongalantech, qui est notre chaîne. Vous pouvez mettre votre chaîne, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne, c'est vous qui décidez. Vous pouvez mettre le nom de ce que vous voulez. Et vous cliquez sur « Générer le code ». Et vous patientez un peu. Et voici le code ainsi généré. Donc, vous pouvez scanner ce code-là pour voir. Ça va vous amener directement sur la chaîne Nongalantech. Voilà, vous pouvez scanner le code pour voir. Ça va vous amener directement sur la chaîne Nongalantech. Vous pouvez essayer, vous pouvez scanner pour voir. Moi aussi, je vais faire la même chose. Je scanne pour voir. Attention, on dirait qu'il y a une petite erreur. Ah oui, au lieu de .com, j'ai manqué le point. Ok, on va régénérer le code. Voilà, et je vais scanner. Vous pouvez faire pareil. Ok, je pense que là, c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon maintenant. Le code est bien généré. Une fois que vous scannez automatiquement, vous allez tomber directement sur Nongalantech. Sur la chaîne Nongalantech. Ça dépend de vous ce que vous aurez mis derrière. Une fois que vous avez mis youtube.com/nongalantech et que vous scannez, vous tombez sur le code. Vous pouvez télécharger en PNG, c'est-à-dire version image, ou en version d'impression. En PDF si vous voulez. Maintenant, nous allons jouer un peu sur le code. Nous pouvons changer par exemple les modèles qui sont là. Nous pouvons changer. Nous pouvons changer la densité. Ça dépend de vous. Hein. Vous essayez ce qui vous sied. Vous gardez. Vous pouvez changer un peu.
peut aussi modifier les yeux. Les yeux, c'est ce qui c'est ce qui est là, les trois petits trucs là qu'on appelle les yeux. Vous pouvez modifier. Voilà, vous pouvez modifier les yeux comme vous voulez. Vous prenez celui que vous voulez. On peut aussi ajouter un logo. On peut aussi ajouter un logo dans son code QR. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des codes QR où il y a des logos dedans. On va faire la même chose. Télécharger une image. Je vais choisir une image dans ma galerie. Hop, c'est fait. Recadrer. Ok, c'est bon. Voilà le logo de Nungaland Tech qui est bien incrusté maintenant dans le code QR. Toutefois, vous pouvez toujours scanner. C'est les mêmes informations que vous avez mises derrière qui vont sortir. Ça ne va pas changer. Voilà. Vous pouvez aussi changer les couleurs. Vous pouvez même chercher des dégradés. Ça dépend de vous. Si vous voulez que le code soit en rouge, vert, noir, bleu, peu importe ce que vous voulez, tout sauf blanc parce que là, on a du fond blanc, on ne verra rien. Voilà. Donc, vous changez. Vous pouvez mettre en dégradé. Si vous avez deux ou trois couleurs de base, vous pouvez utiliser les deux ou trois couleurs ou les deux couleurs pour faire votre dégradé. Vous pouvez personnaliser aussi la couleur des yeux. Ça dépend de vous. Une fois que vous avez généré le code, tout le reste n'est que de l'amusement. Là maintenant, ça dépend de vos humeurs. On peut aussi mettre le code QR dans un cadre. On va essayer ici par exemple. Voilà, on peut mettre le code QR dans un cadre et on écrit en bas « Scannez-moi ». Par défaut, c'est ce qui est écrit « Scannez-moi ». Mais vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre l'information que vous voulez. Par exemple, nous, on va mettre Nungaland Tech pour voir ce que ça va donner. Nungaland Tech. On patiente que la mise à jour soit faite. Voilà. Et la mise à jour est faite. Nungaland Tech. Toujours est-il que si vous scannez le code, vous allez tomber sur les mêmes informations. Et là, maintenant, je vais essayer de télécharger. Voilà le fichier téléchargé ici. Je vais afficher. Ok, c'est bon. Vous pouvez aussi scanner, c'est la même chose. Si vous scannez, c'est les mêmes informations que vous allez avoir. C'est sur les mêmes informations que vous allez tomber. Je vais voir si on peut essayer un deuxième truc. Vous pouvez utiliser tout ce qui est là. Voilà. Vous pouvez utiliser tout ce qui est là. On va essayer un deuxième truc. On va essayer de mettre un test derrière le code QR. Un test. Qu'est-ce que je vais écrire? On va essayer de mettre un test. Je vais écrire le test. On va écrire Nungaland Tech. Nungaland Tech. Excusez-moi, Nungaland Tech. Non, voilà. Ma meilleure chaîne d'apprentissage des astuces informatiques. Voilà, on va mettre ça et on va générer le code. Vous allez voir. Dès que vous allez scanner ou dès qu'une personne va scanner, vous allez automatiquement tomber sur le message. Sinon, le message va automatiquement s'afficher. Des astuces informatiques. Informatique avec S. Astuces. Excusez-moi, on va corriger. Il y a un S qui a manqué. Ok, c'est bon maintenant. On va mettre un point. Et on va faire générer le code. Une fois que vous cliquez sur générer le code, voilà maintenant le code ainsi généré. Et les prérequis que nous avons fait ont été sont déjà encore là, c'est-à-dire nous avons mis le logo dedans, nous avons mis Nungaland Tech en bas, tout ça est déjà là, voilà. Vous pouvez toujours choisir de modifier les motifs, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez essayer tout ce qui est là, ça dépend de vous, vous pouvez essayer tout ce qui est là. Vous pouvez jouer des musiques, vous pouvez mettre des codes Wi-Fi derrière, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous pouvez utiliser ça à votre guise, vous pouvez imprimer, vous pouvez mettre sur vos cartes de visite, ça dépend de vous. Voilà. On va essayer email aussi. Nungaland Tech. On va mettre notre adresse email. nungalandtech@gmail.com. Voilà, générer le code. Une fois que vous scannez, automatiquement, il va ouvrir votre mail et préparer déjà comme si vous voulez envoyer un mail à Nungaland Tech. Voilà. Vous pouvez essayer chez vous aussi. Donc, voilà en quoi est-ce que les codes QR peuvent nous servir. En général, voilà un peu brièvement expliqué ici. On ne pourra pas tester tout. Vous pouvez essayer autant que vous voulez selon vos besoins. N'oubliez pas de mentionner votre impression sur cette nouvelle astuce en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit au revoir et à samedi prochain pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien.